La mairie de Saint-Jean-de-Védas en a assez des poids lourds sur la rue Jean-Bène. Cette artère qui relie la ZAC du Mas de Grille à la route de Sète connaît un trafic très important, 20 000 véhicules par jour, dont 2 000 gros camions. On en voit quelques échantillons ici. Une fréquentation inadaptée à son revêtement. Du coup, la mairie ne veut pas assumer seule ses investissements. Du coup, bien sûr, elle a décidé de fermer la route à ses poids lourds à partir de 6 heures demain matin. On écoute Danielle Gomez, elle est adjointe au maire à Saint-Jean-de-Védas. Fermer la voie totalement va provoquer quand même un grand désordre et ça n'était pas notre intention. Par contre, nous nous insurgeons contre le fait d'avoir à payer, à supporter seul la charge de la réfection de cette voirie. Il faut savoir que ça grève le budget voirie de la commune de manière considérable puisqu'on a évalué au bas mot à 800 000 euros le coût de la restauration de la voirie.